Mein Name ist Ralf Fletsch. Ich bin der Präsident vom Cercle Philatelique Memmer und der Präsident von einem Organisationskomitee. Der Komitee organisiert den 27. und 29. Oktober 2007 zu Memmer einen Tag über Science Fiction, für sich auch an den Hugo Gönsbeck zu erinnern, den den Term Science Fiction in den 20er Jahren vom 20. Jahrhundert gegründet hat. Wir haben eine Ausstellung, die den Hugo Gönsbeck, den Lohr für 40 Jahre verstorben ist, kommemoriert, wann sich all seine Zeitschriften, seine Bücher, Dokumente aus seinem Leben präsentiert sind. Für das ganze Animieren haben wir eine Reihe Leute invitiert aus dem Ausland, aus Deutschland, aus Frankreich, für uns über Science Fiction in general an Hugo Gönsbeck, hier Impressionen von Hugo Gönsbeck, hier Erinnerungen auch an Hugo Gönsbeck zu erzählen. Die Konferenzen die sind auf verschiedene Sprachen, auf Englisch, auf Deutsch, auf Französisch und auf Lützebäuerisch. Und die adressieren sich an sich und das Publikum general. Von den verschiedenen Zeitschriften, die wir präsentieren, das ist eine große Variation. Das ist an sich eben die Durchstellung vom Publikationsleben von Hugo Gönsbeck. Den angefangen mit drängen technischen Zeitschriften über Elektrizität, den an denen Zeitschriften Löser-Löser-Artikel publiziert wird, wer die kennt man. All den Artikeln, die an seinem Geschäft verkauft hat, fabrizieren, an den lösersüssig Geschichten ausgedrückt hat, wie er in Zukunft könnt leben, mit Hilfe von der Technik, sich auf der Welt, mit Hilfe von der Elektrizität hauptsächlich, mit Hilfe von der Wissenschaft, von der Technik in general, also könnte verbessert gehen. Bonjour, je m'appelle Philippe Marlin, je suis président d'une association dont le siège est à Paris, une association française qui s'appelle L'Œil du Sphinx. Et cette association, par ailleurs, est complétée et prolongée par une société commerciale qui est une maison d'édition qui s'appelle tout simplement les éditions L'Œil du Sphinx. Alors, notre domaine de prédilection, ça sera pas une surprise, c'est l'imaginaire, et l'imaginaire au sens large, dans la mesure où on travaille bien évidemment dans les domaines de la science-fiction et du fantastique, mais également dans tout ce qui flirte avec les parasciences et parfois même avec l'ésotérisme. Pour vous donner quelques exemples, que nous avons récemment publié des travaux d'un auteur belge qui était un grand savant qui s'appelle Bernard Revolmans, qui était de la région d'Arlon. Bernard Revolmans était un cryptozoologue, c'est-à-dire un savant, un vrai, mais dont le domaine de prédilection étaient finalement les animaux fantastiques, les animaux de mythes et de légendes. Et nous avons sorti un ouvrage inédit, enfin qui n'avait pas été publié de son vivant, sur les félins encore inconnus d'Afrique. Ich bin Arndt Elmer und arbeite als Autor für die größte Science-Fiction-Serie der Welt, für Perry Rhodan. Perry Rhodan, ein Raumfahrer unserer Zeit, der über Jahrtausende hinweg in die Zukunft reist und die Menschheit in eine bessere Welt führen soll. Die Perry Rhodan-Serie existiert seit 1961 und erschien in bisher über 2400 Romanen und 100 Buchausgaben in Deutschland und in vielen anderen Ländern. Perry Rhodan, das ist eine Geschichte der Menschheit in der Zukunft als Alternative zu unserer realen Welt. La Revue Planète, c'est une revue qui était dirigée par Powells et Bergier et qui a ouvert beaucoup de portes dans les domaines de la science et de l'imaginaire, dans les domaines de la science et de la tradition. Et nous sommes très heureux d'avoir publié
une étude, c'est un ouvrage d'études et de recherche d'une jeune auteure française qui s'appelle Clotilde Cornu. Et ce travail, nous l'avons édité au format de la revue de légende des années 60, c'est-à-dire c'est rigoureusement, sur le plan de la forme bien sûr, identique à une revue Planète des années 60. Als Leserbetreuer und Redakteur der Leserkontaktseiten betreue ich seit über 19 Jahren die Leserseiten in der Peri Rodan-Serie, die wöchentlich zusammen mit den Romanen erscheinen. Rennes-le-Château, c'est un petit village dans le sud-ouest de la France où un curé, l'abbé Saunière, aurait découvert un trésor et se serait mystérieusement enrichi. Alors, nous avons publié pas mal de travaux sur ce sujet qui nous passionne et nous amuse beaucoup puisque pour nous c'est un mythe agglutinant. Un mythe agglutinant, c'est quelque chose comme le papier tue-mouche des grands-mères qui ramasse un peu tout, c'est-à-dire les histoires de trésors. Mais aussi l'alchimie, mais aussi l'ufologie, mais aussi la théologie révisionniste. Alors voilà pour ce qui est des bouquins, mais et des revues. Mais en dehors des bouquins et des revues, comme vous nous voyez ici aujourd'hui, on participe à de nombreux congrès, colloques, conférences, et nous en organisons nous-mêmes un certain nombre, dont le plus réputé, le plus fameux, est celui de Sèvres en banlieue parisienne. La quatrième édition a lieu cette année, et là c'est un festival purement littéraire qui est concentré donc sur la mise en valeur de la science-fiction francophone, et de la fantasy aussi bien entendu, que ce soit au niveau des auteurs ou des illustrateurs. Et donc, pour vous donner une idée, notre invité d'honneur cette année, c'est Philippe Dourrier, le très grand dessinateur de BD de science-fiction. Et nous avons à peu près tous les grands auteurs de la science-fiction, une quarantaine de personnes en moyenne sur une journée, avec des expositions en même temps et un certain nombre de conférences qui permettent comme ça à toutes les personnes qui viennent d'avoir une idée des dernières évolutions de la science-fiction en France et dans les pays d'expression française. Et j'ajouterai qu'en plus, c'est une manifestation qui a l'avantage d'être entièrement gratuite. Alors, l'un de nos auteurs fétiches, c'est sans conteste l'écrivain américain Howard Phillips Lovecraft. C'est des textes qui font frémir, et c'est des textes qui sont passionnants parce que Lovecraft a créé tout un univers qui est à la fois un univers métaphysique, théologique, mais un univers géographique avec ses villes et un univers littéraire avec ses bibliothèques. Et ses manuscrits maudits. Et c'est un écrivain qui avait beaucoup d'amis, de disciples et de collègues. Et nous sommes en train de travailler sur l'un de ses amis et collègues qui s'appelle Robert Howard. Il est très connu puisque c'est le papa, le père de Conan le barbare. Et nous sommes en train de préparer un ouvrage de luxe pour retracer toute la carrière de ce créateur d'imaginaire absolument hors pair.